Bonjour encore une fois et merci de votre fidélité à Matin Bonheur. La troupe, enfin, je dis la troupe Nawa, l'association Nawa, Nawé, pardon, avec Gueye Thomas, Sielou Nadej et tous ces danseurs et danseuses qui constituent l'association qui existe depuis 2006, ils l'ont dit. 2007, c'est ça, Miss Kofi? Voilà. Alors, Dotizette, bonjour. Bonjour Christine. Vos impressions sur les danseurs, sur l'association? Ben, je ne suis pas épatée parce que, vous savez, moi, en Europe, j'ai été l'une des adeptes. Ma première danseuse était chinoise. Quand elle est venue me voir, elle ne savait pas du tout danser. Parce que les Européens, ils prennent notre culture à cœur. Ils mettent pas l'argent devant, ils apprennent la formation d'abord. Et ça, vous voyez, le monsieur qui dansait le zaouli ou bien le boué-boué là. Non, je ne suis pas étonnée, c'est très bien. Et il faut encourager ce genre de choses, hein, mélanger un peu les rythmes. Voilà, et c'est ce que bon, je fais dans ma musique. Je fais de l'afro. Des fois, on me demande comme ça, qu'est-ce que vous chantez même? Et je fais de l'afro mondial. Je mélange tout. Donc, de la world Alors, music, de voilà. la world music. Dotizette, vous êtes là donc pour nous parler de votre ONG Âme de Cœur, Oui. qui depuis quelques années Oui, initie depuis les repas 2009. dans les communes d'Abidjan au profit des enfants Ils avaient été défavorisés, des défavorisés, enfants voilà. de la rue. Cette fois-ci, vous récidivez à Kumasi. Oui, depuis un certain temps, j'ai dit dans mon projet une fois par mois, puisque bon, normalement les enfants doivent manger deux fois par jour. Bon, à Trois mon, fois par jour. trois fois par jour, à mon même niveau, je fais une fois par mois. Donc, je viens une fois par mois à Abidjan pour essayer d'égayer 500 enfants dans chaque commune d'Abidjan. Et nous avons fait à notre actif 8 communes, dont 4 000 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à Koumansi, demain précisément. Nous sommes dans la cour de la direction technique de la mairie de Koumansi, avec le maire et tout son staff. Voilà. Et la marraine, c'est Maître Afousseta Oui, Mambalani, le ministre ministre de de la la communication, Communication. porte-parole adjoint du Voilà, gouvernement. en ce moment, elle est en déplacement, mais tout son staff sera là. Et comme on appelle, sous le haut patronage du gouverneur, hein, cet homme qui est clairvoyant, Monsieur Robert de Grignan. qui a compris que ce projet était très alléchant. Donc, il a commencé à nous aider et à nous encourager. Donc là, nous étions, je crois, à Trècheville le mois dernier, hein, avec le maire Amicha. Et les enfants mangent Et effectivement. effectivement, un plat de résistance, c'est ce que je peux donner. C'est-à-dire ce que je mange chez moi à midi, voilà. Alors rappelons un peu d'où est partie l'idée. On sait bien que vous avez été marqué Par les Restos du par les Cœur Restos de du Cœur Coluche, avec Coluche, feu dont j'ai Coluche été à sa porte. voilà, dont j'ai été adepte à la suite d'un accident. Donc, personne en difficulté. Parce que ici, quand on dit personne en difficulté, on pense tout de suite à l'argent. Tout le monde lit tout à l'argent. Non, une personne en difficulté, c'était une personne comme moi qui ne pouvait pas marcher assise dans une chaise roulante. Donc, on m'a conduit dans ces lieux-là, au Resto du Cœur avec ma carte. J'ai eu la chance d'avoir cette carte. Et puis, pour faire mes courses, une fois par semaine, hein, 50 euros de nourriture. Donc, ça m'a fait du bien. Et j'ai été marquée par l'humanisme créé autour de tout ça, la manière dont on nous recevait. On arrive à un petit café, ouvre un petit café. Et puis C'est-à-dire après, le cœur, le on y met cœur le y cœur. était, des bénévoles. Alors, le problème auquel je suis assujettie en ce moment, c'est que je n'ai pas encore les bénévoles, les vrais bénévoles. Donc, vous voyez, je suis au four et au moulin En souvent. train de faire tout vous-même. Oui, moi, bon, je comprends la situation. C'est là. Est-ce qu'ici en Afrique, l'esprit bénévole Non, passe? c'est la pauvreté qui fait ça. Vous voyez, l'esprit bénévolat peut pas être de mise. Mais c'est pas ça va venir. Hein, parce qu'un bénévole, c'est quelqu'un qui vient avec son cœur, hein, donner un peu de son temps aux autres. Voilà, c'est ce que moi je fais. C'est-à-dire, je prends un peu de mon argent et de mon temps avec mes amis. D'ailleurs, si vous le permettez, je vais remercier certaines personnes qui, depuis le début, depuis 2009, hein, comprennent ce projet. Maître Dogo à Nice, hein, avocat international, hein, je le salue, je fais un coucou à Monsieur Salamé Mohamed, qui, depuis 2009, a compris ce projet et qui me suit. Donc, il y a des personnes, enfin, je ne citerai pas tout le monde, mais parce qu'il y en a Mais depuis beaucoup. 2009, vous avez Hein. le projet tourne en tout cas Le dans les projet communes. tourne dans les communes. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce à la télévision, il y a un maire qui a compris, le maire de Bonyéré-Dougou, Monsieur Abou Diabaté, qui m'invite pour venir nourrir 80 villages du côté de Katiola, le 25 mai, avec les mamans. Donc, c'est ça. C'était un peu le but. Le but du jeu, Et là, c'est on que... imagine la joie des enfants. Oui, et après, les enfants me demandent, mais tanti, c'est fini déjà? Parce qu'à 17 h, il faut qu'on rentre. Hein, c'est comme si on se retrouvait dans un centre de loisirs. Vous voyez, là, c'est du poulet. Alors, vous savez, c'est pas tous les jours qu'on mange du poulet.
Donc les enfants sont très heureux parce que ce n'est pas seulement la nourriture. Au départ, ils arrivent. Hein, si j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui donne des soins, en fait, un peu d'ophtalmologie, hein, un peu de vaccination, et puis il y a le petit déjeuner. Hein, la dernière fois, j'ai offert des pains au raisin, des pains au chocolat. Il y a des enfants qui n'avaient jamais vu ça. Hein, ça m'a vraiment fait de la peine. Ça vous a marqué. Ça m'a marqué. Et puis, j'ai distribué des chaussures. Alors, ce qui m'a marqué là, très vite, je donnais des chaussures comme ça aux enfants et j'ai demandé à une jeune fille, t'as pointu ma fille. Elle était bien habillée. Elle dit, tantie, j'ai pas de chaussures. C'est-à-dire qu'elle est venue là habillée, mais sans chaussures. Alors, j'ai même pas réfléchi. Je lui ai donné deux paires de chaussures. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui souffrent. Vous voyez là, il y a des enfants qui mangent. Les parents prennent après les baguettes. Parce que moi, je donne 500 repas. Dieu merci, je fais 1000 repas. Alors, les enfants, les parents, je voulais m'adresser aux parents. Moi, je m'occupe des enfants. Donc, les parents, vous accompagnez les enfants, vous restez à l'écart ou bien vous venez les chercher à 17h. Mais les parents prennent les repas des enfants. Alors, à un moment donné, vous voyez, si j'ai fait 500 repas, il n'y en a plus. Et on poursuit même des parents devant la porte pour récupérer les barquettes. Mais je veux dire, quand ils prennent les barquettes, est-ce que les enfants mangent avec eux au moins? Sur place, là, on doit manger. Le but, c'est de manger à midi. Oui, d'accord. Vous avez dit que les parents prenaient. Oui, les parents ne doivent pas manger avec eux. Les parents. Vous avez, l'objectif, c'est les enfants. C'est les enfants d'abord. Maintenant, à un moment donné, on a une salle qu'on appelle salle VIP pour faire bien, quoi. Et on appelle maintenant les encadreurs, les gens de la mairie qui nous ont aidés, les invités, le personnel. Et on invite le parrain, c'est-à-dire aussi la ministre, son staff et tout ça. Tout ce monde-là mange le même repas que les enfants. C'est-à-dire parce que le but, c'est pour que les enfants, bon, mangent la même chose. Donc, le menu de demain, ce sera donc du kiep blanc, hein, en entrée, on a des crudités. Donc, de la salade, des crudités, et puis on aura le petit déjeuner comme d'habitude, et puis on terminera par un goûter. On terminera par un goûter, bon. Voilà. Et après, il y a des prestations. D'artistes. Voilà, d'artistes et tout ça. Bon, quand j'ai le temps, moi-même, je suis en prestation. Il y a des enfants qui ne m'ont jamais vu en prestation, et puis ils voient mes clips, et sont étonnés. Bon, quand j'ai le temps, je le fais. Mais le but, c'est de montrer un peu. Parmi nous, il y a des artistes qui commencent à venir un peu, donc ils font la prestation. Je voulais remercier mademoiselle Nuella, qui a été vainqueur de voilà, qui était là à l'édition de Trècheville et qui ne pourra pas être là cette fois-ci. Mais c'est comme ça, j'ai besoin des artistes qui viennent spontanément. Hein, parce que figurez-vous, quand bénévole. Parce que figurez-vous, j'ai appelé certains artistes. On me demande un petit frais de défraiement ou bien que je donne des perdièmes et un tout ça. Ben un petit cachet. Ben, je suis désolée. Et c'est comme la presse. Je demande à la presse de venir. Parce que c'est des choses. On aide la nation à faire ce qu'on fait ce qu'on peut. Donc la presse aussi doit venir pour couvrir ces événements-là. Je remercie la RTI. Hein, vraiment, toutes les fois que j'ai sollicité la RTI, hein, le staff est là. Et vraiment de grands reportages sur ces trucs-là. Et je pense que demain, ils seront là. Voilà. Alors, l'objectif, puisque vous avez été d'abord vous-même marqué par l'humanisme au niveau des Restos du Cœur, votre objectif plus tard, c'est de faire quoi? C'est de faire des centres de loisirs. C'est de réitérer l'œuvre de Coluche qui se poursuit aujourd'hui avec de grands moyens. Voilà, de grands moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de délocaliser tout ça. Donc, attaquer l'intérieur, puisque les gens s'y intéressent. Je reçois beaucoup de coups de fil de l'intérieur. Malheureusement, je n'ai pas encore fini le district. Et puis, créer des centres de loisirs pour les enfants. Tous les mercredis, chez nous, là-bas, les enfants vont quelque part. Chez vous, c'est où, là-bas? En Europe, en France. Voilà. Tous les mercredis, les enfants vont dans des centres de loisirs pour passer un après-midi de 7h du matin. Les municipalités mettent à leur disposition des cartes qu'ils viennent les chercher. Et puis, ils vont dans ce coin-là pour s'égayer, pour manger et passer un après-midi agréable. Et le soir, à 18h, ils rentrent chez eux. Et le lendemain, jeudi, ils vont à l'école. Donc, c'est un peu l'objectif. C'est d'ailleurs ce qui a marqué un peu le gouverneur, parce qu'il s'est dit que voilà, c'est ce genre de projet qu'il faut encourager. Donc moi, j'essaye pas la pas de la nourriture, arriver à mon but, petit à petit, avec l'aide de mes amis, des mécènes, etc. Et après, pourquoi ne pas créer des Restos du Cœur, hein, dans les communes, hein? Parce que des individus là qui ont faim, et quelqu'un se dit, bon, aujourd'hui, je n'ai rien à manger, mais là, à midi, là, je peux aller à la maison du partage, par exemple. Alors, donc, manger. Donc, ça viendra. C'était un projet très dense. J'ai besoin des Ivoiriens. Hein? J'ai besoin des Ivoiriens pour venir. Ne comptez pas sur mes petits euros. Alors, donc, ça sera demain, samedi 26 avril. Voilà. Vous serez donc à partir de 8h dans la cour de la direction technique de la mairie.
de Kumasi, la suite annexe pour nourrir ses enfants. Voilà, merci 500 beaucoup. Enfants. D'autres, vos contacts pour terminer? Pour terminer, mes contacts, c'est le 45 26 16 12. Ça, c'est le numéro de téléphone. Et nous sommes sur, on a notre page Facebook ONG Âme du Cœur. Nous sommes sur YouTube pour tous ceux qui demandent. Nous avons un site, les www.amedecoeur.org. Voilà. Donc, le mail, c'est ONG Âme du Cœur, tiré du 8, 2, @yahoo.fr. Merci, Doty. Et merci. La réclame s'installe sur ce plateau, sur cette antenne du moins. À tout de suite.